Pour la taille donc des mûriers sans épines. Alors là, on voit bien la différence entre les branches qui ont donné des fruits cette année, qui sont maintenant sèches, et les branches qui vont donner des fruits dans l'année à venir. Et donc là, la taille est très simple. Il suffit de couper à ras de terre les branches qui ont donné du fruit. Et hop, encore une à couper. Et voilà. Et ensuite, on les attachera sur le fil. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc, les branches qui ont donné du fruit, qui sont maintenant sèches, on les coupe à ras de terre et la taille est terminée. Et par contre, les autres branches, on ne les touche pas.